Ça disco, tout. Oui, donc je viens, je suis en mode montage là, je dis juste, c'est la première fois que je fais un truc où j'essaie de faire un pas montage avec des diffs et tout, donc me jugez pas, ok, parce que je suis pas bon, ok, hein. Même le vaisseau. Tu permets toi parce que toi en fait t'es pas invité donc Un verrou à 3 points. Pour l'ouvrir, nos héros allaient devoir se surpasser et activer les 3 boutons en même temps. En même temps, hein, t'as 10 secondes pour le faire, mais c'est en même temps, hein, c'est simultané, hein. Cool. Et c'est dans cet endroit improbable que Ratchet trouvera une paire de glissobots flambant neuves. Hop. Après avoir enfilé ses glissobots, Ratchet bondit sur le bras. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit let's play sur... Bah sur ce jeu en fait. Parce que du coup regardez, bon moi j'ai les cheats mais Pixelidator. Pour ceux qui aiment pas 8 bits, bah c'est trop tard. Alors je rappelle que de base le jeu il est pas comme ça. Ah merde, j'ai pixelé. Ça l'a pixelisé. Oh, et vous devez être l'assistant anonyme qui aide Drake à terroriser la galaxie. Ça, ce n'est qu'un petit boulot. Ma vraie passion, ce sont les neurosciences amateurs. Ça fait... Ouais, donc je disais, si vous voulez que je fasse un let's play sur Ratchet & Clank, bah ça, c'était un petit truc pour, voilà. Bien évidemment, si je fais le let's play, je le ferai avec mon personnage actuel, donc avec les armes niveau max, mais je n'utiliserai pas les cheats pour... trop triché non plus quand même. Pas tout ça mais ouais. Donc voilà. Ratchet pourrait utiliser cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack.